Salut à tous, c'est Megiddo. Enfin, me revoici pour King of Fighters 94 Reboot, un jeu sorti en 2004 sur PlayStation 2 par SNK Playmore et uniquement au Japon. Malheureusement, si on veut jouer à 94 en France, faut soit sur PS2, soit c'est sur Roche Saga, soit sur SNK Arcade Classique. Bon. Déjà, on peut voir que le menu est bien plus développé par rapport à la version Neo Geo. Donc, on a Team Battle, Team Versus, Edit Play, c'est-à-dire là, désormais, on peut créer les équipes qu'on veut. Edit Versus, jouer avec un seul personnage. Pareil, un versus avec un seul personnage. Le mode entraînement. Endless, ben c'est un survival. Game option. Networks match, c'est pour jouer en ligne. Mais bon, ça, à part, je crois que ça marche qu'au Japon. Neo Geo mode, c'est pour jouer à la version que j'ai testée précédemment, à savoir la version Neo Geo. Bon, on fait un tour dans les options. Battle setting, les règles de combat. Donc, alors, on peut régler. Le système soit normal, soit en Neo Geo. C'est pour les décors, 3D ou normal. Le level, là, je vais mettre en 1, c'est très facile. Le temps, on a donc choix entre infini et 30 secondes, c'est 160. La défense, je vais mettre à 8 pour moi, comme ça, je vais être, les coups ennemis vont faire pas grand chose. Par contre, je vais mettre l'ennemi en 1, comme ça, je vais taffer vachement fort. Oui, je sais, c'est petit. Et alors, moi, je dirais plus loin que notre test. Je peux mettre si je veux ma jauge à fond, bah ouais, comme ça m'évitera de la charger. Normal pour adversaire, et ça c'est pour enlever ou mettre les barres d'énergie. Bon, les touches, ça a rien changé à part qu'on peut voir que désormais on a des petites combinaisons. La touche commande permet en fait pour les gros feignants de, en fait quand on appuie dessus, l'attaque part toute seule. C'est dans, ça nous fait la super attaque, notre ultime attaque tout seul. C'est pour les gros fainéants, quoi. Je suis pas habitué à ces touches. Après, graphique, donc on peut choisir en mode A ou B, je le sens hausse, position de l'écran, le focus normal ou soft, je vais sans soft. Le sonde, alors soit stéréo, mono, moi je pareil, BMG normal ou Neo Geo. Dans la normale, c'est en fait des pistes de la version Neo Geo CD. Le volume, allez, je vais mettre à 8. Ici, donc, c'est pour écouter, bah, c'est un son de test en fait. Comme vous entendez, vous voyez, bon, là, on va partir. Character settings, ça permet en fait de modifier les couleurs des personnages. Comme vous pouvez voir, parlons directement graphiquement des personnages, ils sont un peu mieux faits. Sont beaucoup plus détaillés, même si certains, pendant que on a l'impression qu'il fait la gueule un peu, mais bon. Benny Barou a plus de cheveux, on se croise dans un super, face à un super guerrier. Comme ça, hop, je vous fais montrer tout le monde, ça tranquille. Hop, 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 régale. Et on peut voir que le père de Kyo est en a été ajouté au jeu. Or, bien sûr, beaucoup savent que ce personnage n'apparaît que dans le 95. Voilà, on va sortir. Ranking accélérant. Comme vous pouvez voir, j'ai pas joué, donc pareil. Save load. Après, 10e anniversaire, ça en fait, c'est pour avoir de petites vidéos sur l'histoire d'Orochi, l'histoire de Nest, les deux grands sagas de KOF, bien sûr, uniquement en Jap, et enfin voir l'intro en anime du jeu. Bon, on va sortir, et c'est parti, je vais faire, allez, Team Edit, pour changer. Allez, je vais prendre Kyo, Ryo, et Terry. Et hop. Et hop. Écoutez, bah justement, comme on a fondé l'équipe chinoise, je vous laisse écouter. Vous verrez que la chanson
ce thème est chanté. Ah oh. Et voilà, gagné. Ah oui, je sais, avec les réglages que j'ai fait, super, je suis vraiment nul. Désolé si ça rame un peu, je suis sur l'ordinateur, que j'ai pas de quoi brancher ma PlayStation sur mon ordinateur. D'ailleurs, au moment où je suis en train d'enregistrer ce jeu, faire ce test, j'ai acheté ce jeu justement le matin même à GameWave à Lille. Pour ceux qui connaissent, une bonne boutique de jeux. On peut trouver des jeux étrangers pas mal des fois. Bon, graphiquement, les personnages sont quand même mieux faits. Mais les décors sont désormais la plupart en 3D. Certains sont beaux, mais d'autres sont vraiment affreux. Enfin, bien sûr, comme vous pouvez voir, le jeu est en Jap. Il finit moins sorti. C'est qui? Ah bah. Alors, hop. Comme vous pouvez voir, les décors sont remplis de guest stars. Comme vous pouvez voir, Yuri, Jubei, Yamashiro. Enfin, des Orochi, j'ai plus son nom en tête. Enfin, je vous laisse regarder les décors derrière. Il y a quand même plein de guest stars. Ah oui. Et voilà, gagné. Mais c'est vrai qu'il y a des décors, je trouve à la fois sympa et mes autres vraiment moche. Mais surtout, ce qui est plus bête, c'est les guest stars dans les décors. Quoi. Certains ne devraient même pas être là. Regardez, on a Orochi derrière, on se demande ce qu'il fout là. Ah bah voilà, j'ai fait cramer. Ah, des fois faut forcer hein, pour que ça passe. Je sais, je suis un gros tricheur. Ah merde, je trompais tous. Et voilà. Oh tiens, Rock. Par contre, la fille à côté, je vois pas qui c'est. Yep, on va rien, avoir Andy. Ah, c'est vrai que mettre un d'un côté, vite de l'autre. Hey, comment le violet ça change du jeu habituel. Ah, bon. Déjà, hop, un round gagné de plus. Bon, le son, ben, c'est à peu près du même niveau que la version Neo Geo CD ou Neo Geo, ça dépend quel son on prend. Pour le gameplay, ça change rien par rapport à la version originale, bien sûr, à part qu'on a 4 touches supplémentaires, donc ça nous évite d'appuyer comme des malades sur plusieurs touches en même temps. Oula, ça me dit là, il me rappelle quelqu'un. Ça fait comme ça, y'a Ryu qui m'appelle quelqu'un. Ah oui. Je vais quand même pas perdre contre eux. Et bah, gagné. Là, c'est un des décors que j'aime le moins. Je trouve assez austère. Même s'il y a quand même beaucoup de persos. Et bah, au revoir. Au revoir. Et contre Robert maintenant. Il me rappelle un peu un décor du 99, si on. Vous savez quand on est sur une plateforme dans les égouts. Là. Ah, je vais quand même pas perdre contre Robert.
Ah. J'arrive même pas à le toucher. Ça rentre... Touche-le. J'ai perdu contre Robert, je comprends pas. D'habitude, j'arrive à le toucher plus facilement. Mais bon. Alors, mon avis sur le jeu, c'est... Si vous avez aimé le 94, vous aimerez celui-là. Graphiquement, il est plus beau, même si, bon... Les décors 3D sont assez variables. Ça va du beau au très moche. Il m'a eu, salopard. Allez. J'arrive pas à l'envoyer. Hein. Bien sûr, si on appuie sur pause, on peut avoir les différents d'attaque. Ça, c'est sympa quand on a un coup. Ah mais, il est dur à toucher, Robert. Je sais pas ce qu'il a bouffé aujourd'hui, mais bon. Quand même. D'ailleurs, une petite chose que je vous avais pas parlé, c'est dans le 94, il me semble aussi dans le 95. Il y a un petit truc marrant à faire avec King et avec Yuli. Pour ceux qui ont joué à Art of Fighting, de savoir de quoi je parle. C'est que. Quand on les bat avec une super attaque, genre boule de feu ou quelque chose dans le genre, ah bah tiens, justement, on les raconte, elles finissent en soutien-gorge. Allez. Ouais, je prends justement. Je vais essayer là, je vous promets rien. Déjà, j'ai oublié que vous parlez qu'on peut esquiver les attaques en appuyant sur deux touches en même temps. Bon, si j'ai un doute, c'est je sais plus lequel il faut appuyer. Ah, mais elle va se la prendre la boule, oui. Pour une fois que je. Bon, tant pis, j'achève. Ouais. Tiens, mais j'ai... Ah bah ça y est, elle m'a encore coincé dans un coin. Ah, ça y est, ouais. Dommage, je dois bien vous faire montrer Yuli en soutien-gorge. Ça, c'est marrant. Bon, bah tant pis, et Mail. Dommage que ça marche pas avec Mail, bah normal pour ce soutien-gorge. Ça y est, on va encore prendre un pervers. Ah tiens, j'avais pas vu, il y a Blueberry derrière. Bon, moi je suis pas du genre à aimer les blondes, mais j'ai toujours préféré la Blueberry à Mei. Je sais pas pourquoi. Allez. Ah, j'ai perdu. Je sais, je vois assez lentement et puis je vois, il rame un peu parce que je vois qu'il marche qu'à 80% de sa capacité. Ouais, au revoir. Allez, combat suivant. C'est pas King. Elle ne laisse pas attaquer. Merveille. Elle m'énerve. Allez. Ouais.
Et voilà, on devrait avoir, comme je disais, regardez, en soutien-gorge. Ah, c'était dur. De ne pas avoir parlé beaucoup, mais bon, au moins, j'ai réussi à le battre. C'est quoi le combat suivant contre eux? Allez, on va pour combat suivant. Tout dommage que cette équipe n'apparaisse que dans le 94. Enfin, voilà, pour les 98, mais bon. Mais bon, 98 contre toi, c'est que c'est un vrai match. Mais je veux dire, dans l'histoire, il n'apparaisse que dans le 94, c'est dommage. Là, la pluie est quand même assez mal faite, hein, je trouve. Autant de décors juste avant étaient bien en terrain sec, mais là, avec la pluie, ça fait assez foireux. Allez hop. Bon bah comme j'ai plus rien trop à dire sans jeu, finis ce combat et on se retrouvera pour le prochain. Et ça va le 95. Ça va, il n'y a qu'un seul épisode. Et voilà. Je vous quitte sur cette victoire. Allez, à plus pour un autre jeu.